Si on fait entrer au Panthéon des femmes juste parce qu'elles défendent les femmes, alors de la même manière, pour les hommes, faudra prévoir une place pour Bigard et DSK. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ». Salut, Gaspard. Bonjour, bonjour, c'est salut. Salut, je suis vraiment très content de reprendre. Et ben voilà. Je tenais à le dire parce que ça se voit pas toujours sur mon visage. Et c'est un vrai bonheur de donner du plaisir aux gens. En tout cas, public, vraiment merci du fond du cœur pour vos likes, vos tweets et enfin, tous vos pouces que vous mettez sous la vidéo sur le site Canal pour dire que la vidéo est au-dessus. C'est vraiment un geste pratique parce que sinon on la trouverait pas et... Alors moi, cet été, bon, je suis assez féru de culture. J'aime pas trop les endroits chauds. Donc je suis allé à Dubaï. C'est beau, hein, c'est beau. Hein. Dubaï, c'est comme la Défense, mais au milieu du Sahel. Quoi. C'est-à-dire, si tu détestes la nature, c'est vraiment un chouette endroit pour lâcher prise. Quoi. Alors bon, la main-d'œuvre, bon, c'est que des Pakistanais, des Indiens, des Sri Lankais. Ça fait bizarre au début. Hein. Parce que de visu, physiquement, on dirait un peu des Roms. Alors, mais en fait, ils te demandent juste, alors est-ce que la viande est bien cuite, encore un mojito, et ah, on a retrouvé votre portefeuille, enfin, ça fait bizarre au début. Et je te parle pas des femmes, hein, parce que là-bas, les femmes, pff, c'est d'une pudeur, quoi. Tout dans les yeux, quoi. Bon, c'est normal, tout le reste est couvert, quoi. Je veux dire, t'as l'impression qu'elles passent leur temps à chercher un bloc opératoire, quoi. C'est vraiment... Alors bon, au niveau culture, je suis pas rentré bredouille. Enfin, j'ai quand même visité un musée. Enfin, là-bas, ils appellent ça un centre commercial. Alors, j'ai déniché un très très chouette bibelot que je voulais. Donc c'est un mug. Enfin, oh. Oser le féminisme. Enfin, hier, j'ai bu une vodka dedans. Je me suis trouvé super subversif, quoi. Bon, enfin bref, sinon, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Alors, le devoir de vacances des ministres a été de pondre un rapport sur ce que sera la France en 2025. Alors, ils sont tous optimistes. Hein. C'est le rapport qui aurait pu s'appeler « Ça ira mieux quand on sera plus là ». C'est genre ces trucs « Après nous, le paradis ». Quoi. Bon, en gros, en 2025, tout sera réglé. C'est quand même bizarre, quoi. Des gens de gauche qui sont convaincus que tout sera génial quand le FN sera au pouvoir. Parce que ça se raconte, hein, je veux dire, FN en 2025, c'est Philippot, ministre de la Justice, Serge Ayoub, ministre de la Culture. Enfin, ça... Alors au pif, alors, dans les prospectives, il y a Montebourg qui prévoit qu'en 2025, il y aura la France qui fera partie du concert des grandes nations industrielles. Tu vois. Il annonce qu'on va inventer un moyen de transport qui consomme 2 litres au 100. Ah, ça existe déjà, ça s'appelle un cheval, quoi. C'est pas le truc. Puis surtout en 2025, Najat Vallaud-Belkacem sera majeur. Un peu de patience pour les mecs, quoi. Sinon, quoi d'autre? Alors oui, il y a un mouvement, alors j'ai cité Oser le féminisme, c'est un peu en vrac, hein, qui milite pour l'entrée des femmes au Panthéon. Moi, je suis pour. Après la question, pourquoi seulement des femmes mortes? Alors elles ont toutes en commun un truc, elles défendent la cause des femmes. Bon. Bah, si on fait entrer au Panthéon des femmes juste parce qu'elles défendent les femmes, alors de la même manière pour les hommes, faudra prévoir une place pour Bigard et DSK. Bien sûr, l'été c'est aussi l'amour, parce que c'est important, quoi. La love story de l'été, Valls Taubira, et une révélation, la prison crée des délinquants. C'est vrai, c'est vrai. En général, les mecs qui arrivent en prison, c'est parce qu'ils ont été acquittés, quoi. C'est un truc. Alors, on veut réduire la peine de prison, mettre des peines probatoires. On a raison. Quoi. Faut avouer, faut à moitié pardonner. Faut des prisons plus spacieuses et confortables. Moi, je vois, hein, depuis que le Club Med a retapé ses villages, j'ai plus de plaisir à y aller. C'est un truc, je sais pas. Non, faut sortir d'une certaine démagogie, si je peux me permettre. Parce que... Si un mec est en prison, c'est que quelque part, il y a une injustice. Moi, je connais des victimes. Qu'est-ce qu'une personne âgée fout avec 100 euros en liquide dans son sac à main? Statistiquement, 100% des victimes ont croisé un agresseur. Ouais.
Dire la provoque, à un moment, ça suffit, quoi. Et on l'oublie, mais souvent, le délinquant est plus dans le besoin financier que la victime. À part ça, ouais, que j'allais oublier un truc super important, la commémoration. Alors, il y a une semaine, c'était le 50e anniversaire du discours « I had a dream ». Oui. C'est quand même très émouvant. Cet homme qui, parce qu'il est noir, est obligé de raconter son rêve en dehors d'un cabinet de psychiatre. La pauvreté, ça pousse toujours à l'impudeur. La Syrie, alors il paraît que ça bouge là-bas. Bon. C'est les attaques chimiques, alors ils ont envoyé des experts pour vérifier. Je sais pas si Christine Boutin était dans l'équipe, parce qu'elle s'est faite gazer, tu vois. Bah ouais, quoi. Oui, elle connaît bien sûr, bah oui. Bah oui, elle s'est faite gazer, pas d'intervention internationale, quoi. Mais ça, c'est notre rapport aux personnes âgées, quoi. On sera toujours plus ému par un enfant musulman qui suffoque qu'une grand-mère catholique qui tousse. Et le problème, c'est le côté, c'est le mot chimique. C'est le côté gazage. Ça rappelle les heures sombres, quoi. T'sais, les gens, ils supportent pas, quoi. Ça leur rappelle trop quand ils se trouvent coincés aux heures de pointe sur le périph' dans un tunnel de Bagnolet, quoi. En fait, les armes chimiques, c'est un peu comme la fellation, quoi. Comme sucer n'est pas trompé, flinguer n'est pas exterminé. C'est un peu ça, je sais pas. En tout cas, là, maréchal des logis-chefs, Hollande, il veut y aller, hein. Ouais. T'es à côté d'Obama, c'est le gendarme de Saint-Tropez qui se tire la bourre avec Rambo, quoi. Ça, c'est... Mais... Ça s'explique, c'est l'effet Mali, quoi, depuis qu'il a cartonné là-bas, quoi. C'est... Hollande, tu sais, c'est un peu l'enthousiasme, la fougue du mec qui vient tout juste de perdre son pucelage, quoi. C'est le type, il vient de se taper la fille facile du village et qui va raconter à tous ses potes que c'est le loup blanc dans tous les bars à putes de Saigon, quoi. Enfin, le Mali et la Syrie, il faut expliquer un peu, hein. La Syrie, c'est un pays, c'est pas un paysage, quoi. Et le chef du village, c'est pas un chaman qui lit dans les entrailles de patates douces, hein. Parce que Bachar, il a une certaine classe. Hein. Tu lui mets un haut de forme, un parapluie, c'est un Englishman à Damas. Après, faut être juste. Faut être juste. Est-ce que la France peut intervenir toute seule? Oui. Ah bah oui, on a envoyé une frégate, deux Zodiacs, enfin c'est... Bon, on parle aussi de deux ULM, peut-être trois si Anarthus Bertrand répond oui, tu vois. On va finir par une bonne nouvelle, peut-être pas plomber sur la guerre. Alors, l'allocation adulte handicapé va aussi augmenter de 1,75% cette année. Joli coup de pouce au pouvoir d'achat des fonctionnaires. Alors, pas belle la vie ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.